Alors, on a essayé le niveau 14 sur la série de Pachène, donc c'était les séries de l'infrarouge. Et là, maintenant, sur l'exercice 15, on va travailler sur toujours l'atome d'hydrogène et les raies spectrales que l'on voit dans le visible, donc celles que l'on observe lorsqu'on fait une décomposition de la lumière d'une lampe spectrale à vapeur d'hydrogène. Oui, pendant 2 cours, il va pas y avoir de... pendant 2 semaines, il va pas y avoir de cours. Et je vous avoue que ça va être un peu complexe. Parce que rester enfermé tout le temps, que voulez-vous, on est obligé. Alors, exactement. Alors, c'est la page 371. Qu'est-ce qu'on nous raconte de la vie? Alors, déterminer la différence d'énergie delta E en joules associée à la transition d'énergie entre les niveaux 3 et les niveaux 2. Ok. Alors, donc, on va utiliser le diagramme d'énergie. Donc, théoriquement, je peux le faire apparaître. Configuration. Là, et c'était le niveau d'énergie. Voilà. Donc, on s'intéresse à cette série. D'accord? Et donc, il nous demande entre le niveau 3 et le niveau 2. Donc, de là à là. Cette transition qui nous intéresse. OK? Bon, tout bête, hein? Puisque vous avez les énergies des niveaux, du niveau 3 est à moins 51, le niveau 2 est à moins 3,39. Ce que vous avez à faire, c'est faire la différence entre les deux. Donc, on rédige un petit peu, hein, on se force de se rédiger. À la lecture, question 1, calcul de delta E. Alors, il le passe pour du niveau 3 vers le niveau 2, donc on va noter 3 vers 1. D'accord? Donc, on prend le diagramme d'énergie. À la lecture du diagramme d'énergie, de l'hydrogène, encore toujours préciser l'atome que vous étudiez. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On a delta E. Alors, delta E, donc c'est toujours le niveau final moins le niveau initial. Donc là, on arrive sur le niveau 2 moins l'énergie du niveau 3. Delta E. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire de le noter à chaque fois. Après, je vous conseille, ça vous permet justement de vous repérer si vous avez plusieurs variations d'énergie à calculer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Donc, je remets la caméra. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas les bonnes valeurs sur mon bouquin. C'est pour ça que je l'avais affiché. Donc E2 est à moins 3,39. Application de E. Delta E, 3,2, moins 3,39, moins, et E3 est à moins 0,85. Non. C'est pour ça que j'ai besoin de mon truc. Moins 1,51. Moins 1,57. Donc moins 1,57. Ma calculette, où est-elle? Moins 3,39 plus 1,51, ça me donne une variation d'énergie entre le niveau 3 vers 2 qui est égale à moins 1,88 et le résultat est en électron-volts. D'accord? Et il vous demandait justement en électron-volts.
Tout bête. Donc, voilà la réponse. Donc, vous avez une variation énergétique, une perte énergétique de votre atome de moins 1,88 électronvolts. C'est moins 1,88 électronvolts. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Rien ne se perd, rien ne se fait, se transforme. Ça va être transformé en un photon. D'accord? Déterminer F. Ah oui, non, c'est en joules. Tu m'as regardé, pardon. Donc, en joules, pour le résultat en joules, on sait que 1 électronvolt, c'est égal à 1,60 10 moins 19 joules. D'accord? Donc, si vous avez moins 1,88 électronvolts, vous allez juste la multiplier par 1,60 moins 19. 1,88 multiplié par 1,60 moins 19. Et ça nous fait 19 moins 3,01. Attention, je suis significatif. 10 moins 19. Voilà pour l'expression de la variation énergétique entre le niveau 3 vers le niveau 2, pour cette transition énergétique de 3 vers 2, en joules. À partir de là, déterminer la fréquence, puis la longueur d'onde de la radiation émise, fréquence et longueur d'onde. Calcul de la fréquence mu et de la longueur d'onde lambda. Alors, comment on fait? On sait que delta E 3,2 c'est égal à H, la constante de Planck, multipliée par la fréquence. Donc, vous en déduisez que la fréquence de cette transition, c'est simplement delta E 3,2 divisé par la constante de Planck, c'est-à-dire en beau H, sinon il y a Marel qui nous a remarqué. Alors les constantes que je vous donnerai plus tard. Lucas n'arrive pas à se connecter, sa connexion ne marche pas. Ça va venir de chez lui. Malheureusement. Pour une fois, nous avons un bon réseau. Il y en a plusieurs tabatines hein, chez vous. Alors, on fait l'application numérique qui nous donne mu est égal. Alors, là, voilà, pour la limite, toujours mettre en joules. Si vous mettez le résultat pour le calcul de la fréquence que vous utilisez une énergie en électronvolts, votre résultat sera faux. D'accord? Donc, bien utiliser le résultat en joules. Et de bas, ça veut dire la valeur absolue, donc on comprend la partie positive. 3,01 10 moins 19, et ça on le divise par la constante de Planck, 6,62 10 moins 34 joules seconde. Parce que c'est bien celle-là qui vous donne donc 6,63 moins. Ah, il faut une plus. Alors, ça nous fait du 3,01 10 moins 19 divisé par 6,63 10 moins 34 et on trouve une fréquence de 4,54 10 puissance 14 R. Ça, c'est pour la fréquence. Pour la longueur d'onde. De plus, lambda est égal à C sur nous. Comme vous venez de calculer la fréquence, vous pouvez calculer directement la longueur. Alors là, il y a une petite astuce quand même.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette formule. Comme, imaginons, vous avez fait x sur le résultat. Bon, je pense que maintenant vous arrivez à faire une division correctement à la calculette, et que vous trouviez un résultat faux ici. Si vous réutilisez ce résultat, il sera aussi faux pour lambda. Donc en fait, ce qu'il faudra utiliser, c'est le fait que delta E, c'est HT sur lambda. Donc lambda, ce serait HT sur la valeur absolue de delta E. N'y aurait pas de transmission d'erreur. Bien entendu, sauf si vous êtes trompé aussi au calcul de delta E3D. À vous de voir, les deux méthodes sont totalement acceptables. D'accord? On préfère ça, utiliser les résultats au fur et à mesure. Application numérique, lambda 3,00 10 puissance 8. Sur le nu qu'on vient de trouver, 4,54 10 puissance 14. On calcule, donc 4,54, 10 puissance, non, 3, 18, divisé par 4,54, 10 puissance 14. Et ça nous fait 6,61, 10 moins 7 mètres. Et en général, en quelle unité il faut les exprimer, les longueurs d'onde, surtout quand on est dans le visible? Qui a une idée? Exactement, nanomètre. Et donc, si vous avez 61 10 moins 7 mètres, ça nous fait 661 nanomètres. On a entendu, si vous laissez le résultat en mètres, c'est totalement correct, c'est juste. Sauf si la question précise de vous faire décrire le résultat en nanomètres, respecter les consignes. Alors, ce qui était bien dans le quiz, c'est que vous êtes obligé de répondre suivant les méthodes que l'on veut. Mais le problème, c'est que je ne peux pas évaluer votre démarche. Comment vous êtes arrivé au résultat? C'est ça qui nous aide un petit peu dans ce genre d'évaluation. D'accord? Alors, question 3. À quel domaine appartient la radiation émise? Donc, 3. Domaine de lambda, on est à 661 nanomètres. Lambda appartient au domaine du 400 nanomètres. Il se situe dans cet intervalle. Et cet intervalle, ça correspond au domaine de quoi? Du visible. Exactement. Donc, là, le normal, elle appartient au domaine visible. Si on était inférieur à 400 nanomètres, ce serait quel domaine? On va voir la couleur après. Ultraviolet, exactement. Et au-dessus de 800 nanomètres, infrarouge. Donc, pour Erwan, tu dis que c'est du bleu. C'est pas du bleu. Puisque tu es. C'est quoi plutôt les longueurs d'onde du bleu? Pense, on est à plutôt. Les limites du spectre, c'est ultraviolet, infrarouge. D'accord? Et tu m'as dit au-dessus de 800 nanomètres, c'est de l'infrarouge. Donc, quand on se rapproche de 800 nanomètres, la couleur serait plutôt du rouge. Et quand on est plutôt vers le 400 nanomètres, c'est plutôt du bleu. D'accord? Alors là, on est à 660 nanomètres. Personnellement, je ne connais pas mon spectre du visible par cœur. Alors, retrouvez-le. On n'a pas un dans le bouquin, là, qui a écrit. Je ne le trouve pas. Spectre du visible. C'est dans le bouquin de seconde, quelque part. Là. Ça va être plutôt rouge, rouge-orange, on va dire, je pense. Ouais, exactement, là, très bien. Ok, voilà pour cet exercice. Est-ce que vous avez des questions?
Ah, ok. Voilà, ça c'est des petits exercices assez clairs, mais par rapport à l'exercice 14, il est d'un niveau un peu plus complexe. Et là, avec le 16, on va faire la complexité maximale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule question, déterminer une transition. On vous dit qu'on émet une longueur d'onde à une valeur précise, il faut retrouver à quelle différence de niveau énergétique correspond cette transition. D'accord? Alors, on est face. Ouais, on fait effacer à gauche, c'est bon, on peut même tout effacer. Juste à gauche, ok. Donc, exercice 16, page 361. Donc, toujours avec notre atome d'hydrogène, on retrouve notre spectre. Et on vous dit que certaines galaxies émettent une raie dite Lyman alpha de longueur d'onde, lambda 121,6 nanos. Donc on a lambda, c'est égal à 121,6 nanomètres. Déterminer la transition responsable de cette émission. Donc, quand on vous demande de déterminer la transition responsable, ça veut dire qu'on cherche à savoir quel était le niveau de départ excité, d'accord, et quel est le niveau d'arrivée. C'est soit le niveau fondamental, soit un autre niveau excité. Donc on cherche les deux valeurs des niveaux d'énergie de façon à pouvoir dire, ben voilà, ça correspond à la transition 5, 3 par exemple, ou 4, 3, on n'en sait rien. Donc là, il va falloir faire un peu de recherche. Alors, déjà, à partir de lambda, qu'est-ce qu'on peut calculer? Ben, on peut directement accéder justement à cette variation d'énergie. On sait que delta E, final, en valeur absolue, HC sur lambda. Donc on peut le calculer, ce truc-là. D'accord? Directement. Alors vous auriez pu calculer la fréquence, là, avec la fréquence, vous auriez pu calculer l'énergie. Ça, c'est un peu inutile, je trouve. Autant directement appliquer une seule formule pour limiter les erreurs. Alors, ça va correspondre à quelle variation d'énergie? Donc, 6, 62, 10, moins 34, multiplié par 3, 1608, mètres par seconde, et lambda, 121,6. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? Ben alors, mètre en mètre, exactement, merci Inès. Donc, on est en nanomètre pour convertir en mètre, 10 puissance moins 9. Okay. Et là, on va avoir cette variation d'énergie. Et là, je sais qu'en général, ça vous pose un petit problème. Alors, 1034, multiplié par 3, 18, divisé et on se retrouve avec 1,63 moins 18. L'unité ici, c'est quoi? Joule, très bien, Erwan. D'accord? Sauf que notre diagramme d'énergie, lui, il est donné en électronvolts. Donc, il va falloir convertir cette énergie en joule en électronvolts. Autre solution, mais qui est beaucoup moins pratique, ce serait de convertir les énergies sur le diagramme en joules. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Parce qu'il y a plus de calculs, c'est plus long, et puis on va manipuler des chiffres qui sont plus gros. Autant utiliser des chiffres plus petits. C'est pour ça qu'a été créée l'unité d'électronvolts. Donc, en électronvolts, ça nous fait 1,63 10 moins 19. Comme 1 électronvolt, c'est 1,63 10 moins 10, 1,1. Elle tombe. 1,70 moins 19, pardon. Donc, si vous avez une énergie en joule, vous devez diviser par 1,70 10 moins 19. 1,60 10 moins 19. Et on voit tout de suite que ça va être proche de 1 au final.
1,63 divisé par 1,6 et on trouve 1,02 électrons. Donc on sait que la transition vaut 1,02 électrons. Le problème, c'est que sur le graphique, alors je vais le remettre, on n'a pas cette valeur 1,02. En plus, c'est une valeur absolue. D'accord? Donc, on va revenir sur autre chose. Je reviens là. Vous avez marqué que 1,63. Ah, là, c'est moins 18. Merci, 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 ouais, on passe en tout. Ça va nous faire 10,2. C'est bien. Ça, ouais, 10,18. Ouais, c'est ça. Merci. Parce que c'est moi qui ai fait une erreur. Alors, j'imagine que Quentin a soumis Excel au tableau de droite. Donc, ce 10,2 électronvolts, je reviens sur mon diagramme de l'hydrogène. Il faut qu'on arrive à le trouver quelque part. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? 10,2. On voit en fait qu'il va falloir utiliser le 13,6. Si on fait 13,6 moins 3,39, on ne va pas être loin du 10,2. Donc, je pense que c'est la transition du niveau 2 vers le niveau 1. D'accord? Tout bêtement. Bon, on va vérifier. D'après le diagramme qu'on a, d'après le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène, il semblerait que cela correspond à la transition de, qu'est-ce que j'ai dit, de 2 vers 1. C'est-à-dire du premier niveau excité. Le premier niveau excité, il porte le numéro 2, et le vers le niveau 1, qui est le niveau fondamental. Bon, on va vérifier. On va faire E1 moins E2, c'est égal à E1 moins 13, moins 13,6, moins 3,39. On y va. Moins 13,6, moins 3, moins et moins, c'est plus. Donc, j'ai dit moins 10,6. Alors, précision de la mesure. Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai écrit moins 10,21 ou moins 10,2? Et pourquoi? Et donc, enfin. Exactement. Il ne faut pas mettre le 21. Attention, comme je vous le répète, le nombre de chiffres significatifs, c'est pour les multiplications et les divisions. Là, on a une addition ou une soustraction, ça dépend dans quel sens on le voit. Donc, ce qui va donner l'indication du nombre de chiffres que l'on va mettre sur notre résultat, c'est la précision de la donnée la moins précise. D'accord? Moins 13,6 électronvolts est précis au dixième d'électronvolts. Alors que moins 3,39 électronvolts est précis au centième d'électronvolts. Donc la donnée la moins précise, eh bien, moins 13,6, qui s'arrête au dixième. Et donc votre résultat, une addition ou une soustraction, doit être donné avec la valeur de la donnée la moins précise, c'est-à-dire au dixième. Donc je me retrouve à moins 10,2 électronvolts. C'est bon? Voilà, ça c'est la nouveauté par rapport à la seconde. On rajoute les
précise. D'accord? Et donc, on voit bien que ça correspond à cette transition, puisque si vous prenez la valeur absolue de E1 moins E2, vous retrouvez delta E. Donc vous avez prouvé le fait que la longueur d'onde qui est mise à 121,6 nanomètres, elle correspond bien à la transition du niveau 2 vers le niveau 1. Petite question, est-ce que les diagrammes existent pour une... Bien sûr, chaque élément chimique possède son propre diagramme d'énergie, puisque en fait, ces diagrammes d'énergie sont reliés au spectre de rayon d'émission. Et vous avez vu en seconde que chaque élément chimique possède son propre spectre de rayon d'émission. L'avantage avec les diagrammes d'énergie, c'est que vous avez accès non seulement au spectre du visible, mais aussi à tous les rayonnements électromagnétiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Là, par exemple, 121,6 nanomètres, c'est de l'ultraviolet, donc invisible pour notre œil. Et c'est une transition qui existe, qui va créer des photons à cette longueur d'onde qui ne sont pas visibles à notre œil. C'est bon, Erwan? Voilà pour cet exercice 16. Donc, un peu plus rédigé, là, on vous demande un peu plus de méthode. Et on met vraiment le résultat au fur et à mesure. Des questions? Ok. Donc, après, on avait l'exercice 18. Combien de photons? Donc, exercice 18, page 372, je suppose. Là, donc 13. Alors, combien de photons? De plus en plus d'appareils utilisent des diodes électroluminescentes en raison de leur rendement. Première question, rappelez dans quel intervalle sont comprises les longueurs d'onde du domaine visible. Alors ça, c'est des questions qui tombent tout le temps au bac. C'est la question récurrente, on vous demande de donner les limites du spectre visible. Donc on est toujours... Alors, il y a plusieurs réponses possibles. 400, 800 ou 400, 750 nanomètres. Enfin, les deux sont acceptés. D'accord? Donc ça, c'est à vous voir. Moi, j'ai toujours retenu 400, 800. C'est totalement quoi, on veut dire. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Les longueurs d'onde. Du domaine visible sont comprises entre, donc on a dit 400 nanomètres et 800 nanomètres. Petite phrase par exemple. Bon, ça, rien de compliqué. Après avoir estimé une longueur d'onde moyenne du domaine visible, calculez l'énergie correspondante E moyen d'un photon. Alors, énergie moyenne, donc on a E moyen pour un photon. Donc, un photon visible. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, déjà, il faut se situer dans la longueur d'onde moyenne du spectre visible. Elle vaut combien? Exactement, 600 nanomètres. D'accord? Donc, compte tenu de l'intervalle spectral, excellent. Compte tenu de l'intervalle spectral
Qu'est-ce dedans? On peut dire que la longueur moyenne, en général, on dit 355, mais elle va sans une bonne approximation. Elle va sans une bonne approximation. Donc, à partir de là, on peut calculer l'énergie de ce photon, puisqu'on a la longueur d'onde. Ainsi, E moyen, ça va être la constante de temps fois la sérénité de la lumière, divisé par cette longueur d'onde moyenne. Et on applique à faire l'application numérique pour trouver cette énergie moyenne. Application numérique, E moyen, donc 662 moins 34, vous allez voir à force que j'ai l'apprendre par cœur, cette constante de temps. Comme la sérénité de la lumière, je pense qu'on vous a assez bassiné avec cette constante. Même si je vous les redonnerai, mais c'est mieux de les connaître au final, parce que ça vous évite d'aller à rechercher à chaque fois dans le document. Divisé par 600 nanomètres, le piège qu'il ne faut pas oublier de convertir en mètres, donc 10 moins 9. Et on calcule donc 662, 10 moins 34 fois 3, 8 divisé par 6 en 10 moins 9. 3,31, 10 moins 19. Il a demandé en joue en électronvolts. Pas précisé. On va aller en joue. D'accord. Alors, la 3, pourquoi je voulais faire cet exo? C'est justement pour la question 3. Parce que ça, vous le connaissez depuis la seconde. Ça, c'est l'exercice d'avant. Vous allez me rabâcher. Et le 3, c'est une petite nouveauté où là, on va un peu travailler sur la question. Donc. Qu'est-ce qui nous manque? C'est où? Hop. Sachant qu'une diode peut posséder une puissance P égale à 150 milliwatts, déterminer le nombre de photons émis par cette diode en une seconde. Donc on va calculer le nombre de photons émis en une seconde. Et vous attendez plutôt à un très grand nombre, un petit nombre. Attendu vers quoi plutôt? Ouais, ça va être très très grand. Il y a des milliards de photons dans une petite diode laser qui sont émises à chaque instant. C'est pour ça en fait qu'on peut les voir. Enfin, les voir. Que notre œil est sensible. On ne voit pas les photons directement. Donc, le truc, c'est que pour répondre à cette question, on n'a pas encore fait le chapitre sur l'énergie. Et donc, peut-être que vous le connaissez d'avant, du collège. Sinon, je vais vous rappeler cette formule. Là, on vous donne une puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance, au final? Ça représente quoi, une puissance? Sûrement pas. Une puissance, c'est pas une force. Une force fournit, si tu veux, une certaine puissance. De toute façon, une force, en général, quand elle est conservative, elle dérive d'une énergie. De cette énergie, on obtient une puissance fournie. Donc une puissance, ce n'est pas une force. On peut la définir à partir d'une force, mais ce n'est pas une force. En fait, ici, on vous demande de déterminer le nombre de photons. Vous, la seule information que vous avez maintenant à votre disposition, c'est l'énergie moyenne et la puissance. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on relie l'énergie à la puissance? Et si vous ne savez pas à quoi correspond une puissance, ça va être un peu difficile. Donc, ça vous le dire. L'énergie. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'énergie ou la puissance? Non, on va le faire pour la puissance. La puissance, c'est. Elle s'exprime en quelle unité? Déjà, la puissance, c'est écrit ici. MW, c'est quoi? Quantité mètre. Très bien. Voilà.
les watts. Là, c'est en milliwatts, mais l'unité légale, ce sera le watt. La puissance en watts correspond à la quantité d'énergie fournie en une seconde, ou on dit par unité de temps. Fournie par unité de temps, le TTS. D'accord? Temps. Donc en fait, si on utilise cette relation, ça veut dire que la puissance, c'est l'énergie E divisée par la durée. Donc en fait, c'est poids à watt d'un point de vue unité, du point de vue dimensionnel. Dans quelle autre unité on pourrait exprimer un watt? Ce serait aussi égal à quoi? Parce que c'est une énergie divisée par un temps. Hop, je te donne la parole. Ah, je n'ai pas le micro. Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que tu vois. Je n'entends pas, mais plus fort ton micro. Très faiblement. T'entends rien, ton micro est pourri ou quoi? Vas-y, hurle, réveille tout le monde dans la maison. Ou écrit, c'est la puissance. Écrit. Là, vous avez toutes des connexions qui vacillent. Une fois, ça passe chez Mimi, après, c'est Inès. Là, c'est Inès, par exemple. Après, c'est Laure. Ok. Ça va, les connexions, là? C'est un peu stabilisé? Est-ce que je dois répéter quelque chose? Problème. Donc, mais vous êtes encore frisé là ou pas? Ben oui, pourquoi on s'avoue. Ah ouais, mais là, d'accord, c'est moi qui avais un problème de connexion. Ah, ma com, non, elle est bien, hein. Je suis en vert. On parle plus doucement, c'est tout. Donc, comme la puissance est une énergie divisée par un temps, ça va être des joules par seconde. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va avoir l'énergie donc d'une diode. L'énergie lumineuse émise par la diode. Ainsi, E pour la diode, ça va être T, la puissance de cette diode, multipliée par delta T. D'accord? Ensuite, pour avoir le nombre de photons, ben, toute l'énergie, elle est apportée par les photons. Donc ce que l'on peut écrire, de plus, c'est que E diode, c'est égal au nombre de photons que l'on a, grand N, multiplié par l'énergie moyenne d'un photon. Voilà. Le moyen.
qui vous permet de déduire que n, ça va être le diode divisé par un moyen, c'est-à-dire que n est égal à t fois delta t sur le moyen. Donc, à faire notre application numérique. On va avoir n. Alors, la puissance de la diode, elle est à 150 milliwatts. Il faut convertir en watts. Donc, 150, 10, moins 3. Delta t, c'est une seconde. Donc, 1. Et le moyen, on l'a calculé avant. 3,31, 10, moins 19. Alors, on va tout de suite, on va mettre moins 3 en haut. Alors, moins 3 avec 2, donc ça fait du moins 1 au final, divisé par moins 19. On va avoir une 10 puissance 18, normalement. On calcule. Une 10 puissance 17, ça va être 150, 10, moins 3, fois 1, je ne sais pas, divisé par 3,31, 10, moins 1. Et je trouve 4,53. Puissance 17 protons. Donc en une seconde, votre diode électroluminescente, elle émet ce nombre de photons. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Ensuite, je vous ai prévu lequel? Le 19, la mesure du temps. Ah, le césium, le cœur de l'horloge atomique, parce que justement, les horloges atomiques, elles sont basées justement sur des transitions énergétiques. Ce sont les horloges, quand on parle d'horloge atomique, c'est qu'on se base sur des transitions énergétiques. En fait, ces transitions énergétiques, comment on va pouvoir caractériser ça en plus? Mais quand un atome devient excité sur un certain niveau n, chaque niveau possède une probabilité pour que l'atome redescende en niveau inférieur. Et donc, chaque niveau énergétique a ce qu'on appelle une certaine durée de vie. D'accord? Et ça varie en fonction de différents paramètres physiques. Qui sont des paramètres quantiques, on peut calculer cette durée moyenne de niveau, et ce qui permet de calculer la probabilité qu'un atome, quand il est placé à un niveau énergétique n, bah, il va redescendre vers un autre niveau énergétique. Ça, ce sont les bases de la quantique. Mais rassurez-vous, on ne fera jamais des calculs comme ça, c'est super compliqué. Ça fait beaucoup quoi là? Ça frise. Pourtant, moi, j'ai rien sur ma connexion. J'ai que l'aura qui bug là. Ah, l'aura, ça va mieux. C'est midi maintenant. Ah, bah, ok. Ça fait beaucoup là? Non, ça fait pas beaucoup. Ah d'accord, ce résultat, non, ça fait pas beaucoup, c'est normal. Donc une diode, tu as un très grand nombre de photons qui. Et justement, cet exercice, c'est pour vous montrer en fait que pour vous faire acquérir des ordres de grandeur. Alors, il faut savoir qu'un nombre de 10 puissance 17 photons, ça paraît énorme, mais c'est totalement classique. C'est logique. Repensez à la mole. Une mole, c'est combien d'atomes? C'est 0,2, 10 puissance 23. Donc problème au final, hein. C'est aussi des grands nombres. 1, 2, ouais, mon micro marche, hein, Léna. J'efface partie droite. Et on passe à l'exercice suivant, donc le 19, page 360.
À la rentrée, on va faire de l'élec, je pense. Électricité. Parce que vous n'en avez pas 100 secondes, vous, et que c'est dans le nouveau programme, pourtant, il va falloir que je rattrape pas mal de bases. Alors, la mesure précise du temps est basée sur une horloge atomique. Ainsi, la seconde est définie depuis 1967 comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondante à la transition entre deux niveaux d'énergie d'un atome de césium-133 dont la longueur d'onde est lambda bleu 459 nanomètres. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on base l'unité du temps sur cette radiation. Et cette radiation, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait périodiquement. On a un cycle. D'accord? Et donc c'est à partir de ce cycle qu'on va définir qu'on a défini la seconde depuis 1967. D'accord? Alors donnons une explication de l'existence des valeurs discrètes des niveaux d'énergie de l'atome de césium. Alors, comment on va petit titre déjà. Petit 1. Comment on peut mettre ça? Valeur discrète des niveaux d'énergie. Alors c'est vrai que c'est un terme que je n'ai pas encore utilisé. Des niveaux d'énergie. Peut-être que vous l'avez vu en maths. Est-ce que vous avez fait les lois de probabilité en maths? D'accord. Donc vous avez vu qu'il existe des lois de probabilité qui sont dites discrètes et des lois de probabilité qui sont dites continues. Oui ou non? Donc qu'est-ce que vous avez vu comme loi de probabilité? Est-ce que vous avez vu la loi binomiale? D'accord. Ouais. Donc ça, à mon avis, serait plutôt un problème de terminal. Donc, les lois de probabilité, ça permet simplement de dire tel événement a telle probabilité d'arriver. D'accord? Par exemple, je lance un dé. Probabilité que x égale 1, ben, ça arrive un sixième. Probabilité que x égale 2, ça arrive aussi un sixième, etc., etc. Ça, c'est une loi de probabilité qui est discrète. Pourquoi? Parce que les nombres que peuvent prendre x sont des nombres entiers bien définis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour notre dé. Une variable continue, ben, il pourrait prendre toutes les valeurs possibles dans cet intervalle. Donc, il y a une infinité de valeurs, de 1 à 6, pour avoir 1,4, 1,414, du racine de 2, des choses comme ça. Mais, c'est décrit par des lois continues. Et ici, en fait, on a bien vu qu'on a des niveaux d'énergie particuliers, et les atomes ne peuvent prendre que ces niveaux. D'où le terme de valeur discrète pour les niveaux d'énergie. Est-ce que c'est clair? De toute façon, je vais rédiger un truc. Alors, comment je vais rédiger ça? Tout atome possède. Donc ça, c'est pour revenir à la question d'Erwan, en plus de tout à l'heure. Des niveaux d'énergie à valeur discrète. Alors pourquoi faire son énergie et c'est quoi le terme qui va être important? Son énergie, elle est dite comment? Donc ça c'est un nouveau terme que je voudrais que vous puissiez ressortir. Que je pourrais mettre dans mon quiz. Donc, tout atome possède des niveaux d'énergie à valeur discrète, car l'énergie d'un atome, elle est comment? Marquée dans le creux. Ben non, tu ne vas pas me dire qu'elle est discrète parce que l'énergie est discrète. Erwan, réfléchis.
variable. Je vois pas en quoi ça prouve que c'est quantifié, merci Colline. D'accord? Tout atome possède des niveaux d'énergie à valeur d'entrée, car son énergie est quantifiée. Elle ne peut prendre, quantifiée, ça veut bien dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs bien précises. D'accord? Suivant. Alors, c'est dû à quoi en fait? C'est suivant la structure électronique, suivant la structure électronique modélisée par les couches qu'il possède. Modélisée par les couches qu'il possède. Et donc, vous vous souvenez des couches 1S, 2S, 2P, 2D, etc., 3S. Vous vous en souvenez, on l'avait vu là. D'accord? Et en fait, ces niveaux énergétiques, ils caractérisent ces électrons qui se situent sur une certaine couche. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on excite un atome, il y a un électron d'une couche qui va passer sur une couche supérieure. Et la désexcitation, qu'est-ce que c'est? C'est un électron qui est sur cette couche supérieure de l'atome qui va redescendre dans un autre niveau inférieur. Tout bêtement. Donc les structures électroniques telles qu'on les décrit, 1s, 2s dans l'ordre en suivant la règle de Tchaïkovski, ben, c'est simplement pour le niveau fondamental. Ça ne représentera pas le niveau excité. Et ça, pour ceux qui en prépa, vous verrez vraiment tout le développement et comment est-ce que se remplissent ces couches du point de vue unique ou dans des détails. Donc, ce sera pas en terminale, ce sera en prépa et en fait. Voilà pour cette première question. Petit 2. Calculer l'énergie E bleu en joules puis en électron-volts correspondant à la longueur d'onde lambda 2. Bon, ça, maintenant, je pense que vous savez faire. Donc, 2. Calcul de l'énergie de ce photon bleu. On a, donc ça c'est direct, comme on connaît la longueur d'onde, on sait que l'énergie de ce photon bleu, ça va être égal à hc sur lambda bleu. Alors, ça a l'air tout bête, mais si vous ne l'appliquez pas et que vous ne respectez pas cette notation, ça risque de vous poser des problèmes par la suite. Tout à l'heure, on marquait delta E d'un niveau initial vers un niveau final qui était égal à hc sur lambda. Là, j'ai juste marqué E bleu. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ce distinguo? Et au final, ce sera pareil. Calcul de E bleu. L'énergie du photon bleu tel que c'est demandé dans l'énoncé. C'est bon, Mathis? Alors, je répète. Pourquoi on a cette note? Qu'est-ce qui différencie la notation E bleu et delta E d'un niveau initial vers un état final? T'as l'idée? Delta, oui, c'est une variation, exactement. Et pourquoi l'as-tu pas mis la variation? Pourquoi dans un cas on marque la variation et pas dans l'autre? Ce sera aussi spécifiquement cette variation, cette longueur d'onde lorsque tu fais, que tu écris un delta. Mais en fait, c'est justement l'aspect corpusculaire ou l'aspect ondulatoire. Si je marque l'énergie égale hc sur lambda, juste énergie, c'est l'énergie du photon en lui-même, donc de l'aspect corpusculaire. C'est le photon qui est créé.
Et si je marque delta E bleu, est-ce que ça correspond, ça, bien entendu, ça vaudra l'énergie du photon, mais ça correspondra en fait à la variation de niveau énergétique de la matière avec laquelle est rentré en interaction le photon. Ça, c'est pas pareil. D'accord? Donc le delta E, c'est pour représenter vraiment les variations de niveau d'énergie, donc la matière qui est modifiée, alors que E seul, c'est le photon qui est modifié. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc quand on parle du photon, c'est l'énergie de ce photon, qui vaudra quoi? La variation d'énergie des niveaux énergétiques de la matière avec laquelle il était en interaction. C'est pour ça qu'on parle d'interaction lunaire-matière. D'accord? Donc ça, je le répéterai tout le temps, tout le temps. Et je me rendais compte avant, c'était déjà au programme de première à l'époque, et j'avais du mal à voir cette notation. Et pour la suite, pour ceux qui font la spécialité physique, on réutilisera, on réinvestira tout ce qu'on a fait en première là-dessus. Il y aura peut-être des problèmes si vous n'arrivez pas à bien comprendre la différence entre les deux. D'accord? C'est les notations. Donc, il nous demandait de calculer l'énergie. Allons-y. Ça, c'est le problème. Application numérique. E2 égale 6, 62, 10, 34 fois 3, 0, 0, 8, 108. Et lambda 2, il nous montre ça combien ici? 459 nanomètres. Il faut convertir en mètres. Donc, E2 égale 6e 62, 10 moins 4 multiplié par 3, 18, divisé par 459, 19. Et je trouve 4,33 10 moins 19 joules. Ça, c'est pour l'énergie en joules. Et ensuite, il faut la calculer en électrons. Donc, on va mettre J. Et ensuite, on va calculer l'énergie bleue en électrons. Donc pour ça, on divise par 1,6 x 10 moins 19, 4,33 10 moins 19, divisé par 1,60 10 moins 19. 4,33 divisé par 1,60. Et on trouve 2,71 électrons-volts. Voilà. Déterminer la transition responsable de la radiation bleue du césium et la représenter sur un diagramme de niveau d'énergie sans souci d'échelle. Donc, là, il faut regarder les données. Dans les données, qu'est-ce qu'on a? On nous dit. On a des niveaux simplifiés de l'atome de césium, moins 5 électronvolts, moins 3,61, moins 2,61, moins 2,29, moins 1,38 et 0. Bon, on va juste représenter le diagramme. Alors, c'est sans souci d'échelle. Donc, là, pas de problème, vous mettez les niveaux tels quels. Vous commencez par le plus bas. Donc, une échelle, c'est verticale. Là, vous allez mettre moins 5 électronvolts. Ensuite, on a moins 3,61. Ensuite, on a moins 2,61. Ensuite, moins 2,29. Et ensuite, on a moins 1,38. Et bien sûr, on a plus 0. Donc, nos diagrammes. On ne sait pas si c'est 1, 2, 3. Quelques niveaux. Donc, on ne sait pas à quel numéro ça correspond. Et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une variation qui vaut 2,71. Ben là, on cherche.
D'accord. Si je fais 5 moins 3, 61. On va regarder. Mais on prend la calculette. 5 moins 3 de 61, c'est un 39. Donc, c'est pas celle-là. On va avoir un écart plus important. On va essayer 5 moins 2,61. Là, j'ai 2,39. Donc, ça va pas. Et si j'augmente, je n'ai pas la trouver. D'accord. On a toutes les transitions possibles, la représentation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais avoir un truc plus grand. On va faire moins 5, 2,29. 5 moins 2,29. Et là, je trouve 2,71. Donc, c'est cette transition. Voilà comment vous représentez la transition. Puisque car delta E. Et là, j'utilise delta, puisque c'est le diagramme d'énergie qui représente la matière qui est en interaction avec la lumière. La lumière sous terme de photon, la matière sous terme de diagramme d'énergie. La lumière est égale à 5,0 moins 2,29. Et on retrouve là 2,71 électrons. Ça va? Vous avez mis le 21. Et 21, 23, 26, c'est ce qu'on attend. Alors ça, il faudra que je découpe, que je le mette sur les... Ouais, je sais pas plus. Alors, il faut que je télécharge quelque chose. Donc, accessoire, là, outil capture. Ouais. Il est où ce truc? Non, enregistrer tout. Alors, image, je vais appeler ça spectroscopium. Enregistrer. Et le fichier n'a pas pu être enregistré. Ah, génial. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, ça va venir. Et comment on fait pour importer un document? Alors, importer mon ordinateur. Nickel. Ok, ça convertit le fichier et je vais pouvoir le rendre public. Et donc je reprends.
Voilà. C'est bon, vous le voyez ou pas cette fois, tout le monde? Ou vous avez encore un carré gris? Alors après, je ne sais pas pourquoi vous avez mis le carré gris. Là, ça a l'air de marcher. Donc, dans cet exercice, durant un TP, on analyse la composition de la mixture qui enrobe une allumette en provoquant la combustion devant un spectroscope de grande précision. Donc en fait, vous faites briller une allumette. Vous mettez le spectroscope, et le spectroscope, c'est un objet dispersif, donc il va séparer les longueurs d'onde. Et voilà ce qu'on obtient par vision sur le spectroscope. D'accord? Donc, grande précision, pourquoi? Parce qu'il est précis au dixième de nanomètre près. Pas avec les spectroscopes qu'on a au lycée de poche que vous pourriez avoir une telle précision. Ça, c'est clair et net. Ok. Identifier le domaine auquel appartient chaque longueur d'onde du spectre théorique. Calculer l'énergie en électron-volts, déterminer le niveau d'énergie. Vous voyez, toujours la même question, hein, en fait. Donc, alors, ok. Chaque longueur d'onde. Alors, quelles sont les longueurs d'onde qui sont présentes? On en a une à 330 nanomètres, à 568,8. Et à cet endroit, en fait, on a ce qu'on appelle le doublet jaune, qui est caractéristique de la lampe de sodium. Et en général, toujours ces deux longueurs d'onde qu'on essaye de déterminer, de discriminer. Discriminer, ça veut dire de bien les séparer, parce qu'elles sont très très proches, et avec un spectroscope de faible qualité, ben, ces deux rayons, on a l'impression qu'elles n'en forment qu'une seule. Avec un bon spectroscope, on arrive à bien modéliser les deux rayons, à bien les visualiser. Il y en a 615,4 nanomètres, 819 et 1130. 8,2 nanomètres. D'accord? Donc voilà toutes ces longueurs d'onde qui sont représentées. Alors, comment on va représenter ça? Tout bêtement. On va faire un tableau. Est-ce que je peux tout effacer? Normalement, là, je pense en gérer le temps. Et c'est donc l'exercice 21, page 360. Exercice. Voilà. Et ça, c'est vraiment les exercices les plus importants à faire. Il y aura le 23 aussi. On aura le temps. Très bien. Donc, identifier le domaine auquel appartient chaque longueur d'onde. Domaine spectro. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Vous connaissez trois domaines spectraux. Une caractéristique ultraviolet, visible et infrarouge. Donc on va regarder qui est dans le V, qui est dans le visible et qui est dans l'infrarouge. En sachant que le lignes du visible c'est 400, 800 nanomètres. Donc dans l'ultraviolet, en fait on en a qu'une, c'est à 330,1 nanomètres. On a lambda 1, c'est à 330,3 nanomètres. Dans le visible, on a lambda 2 et lambda 3 qui sont 568,8 et on en a une autre qui sont 15,4. Alors on a aussi en plus. Lambda J. D'accord? Les deux lambda J qu'on a, mais on ne connaît pas exactement leur valeur, et ça va être le but, ça va être de les trouver. Et enfin, dans l'infrarouge, on en a deux. Donc, lambda 4, c'est égal à 819, c'est au-dessus de 800 nanomètres, donc, c'est bien de l'infrarouge. Et on a un lambda 5, également, qui est à 1138,2. 1138,2. Voilà pour cette réponse. D'où le fait que vous devez connaître les limites du spectre visible. C'est important. Vous pouvez
Ah oui, je veux pas. C'est un petit signe, j'oublie, hein. Tac. Excusez-moi. Voilà, là vous l'avez. Ensuite, calcul l'énergie en électrovolts associée à la radiation. Joule. Énergie. Calcul de l'énergie associée à la radiation jaune. Alors, est-ce que j'écris delta E ou est-ce que j'écris E? D E. Exactement. Parce que c'est la radiation, donc elle est caractérisée par le photon. Elle n'est pas caractérisée ici, dans ce cadre, par la transition énergétique. Le but, ça va être justement de retrouver cette transition énergétique, ce delta. Donc, calcul de E. Ça qui nous intéresse. Comme E, c'est axé sur là, toujours la même chose. Hein. Alors, si Xavier était là, j'aurais rajouté un TP en fait à cette séance, et on aurait fait, avec les diodes électroluminescentes, on aurait fait la mesure de la constante de Planck. Compacteur, c'est vachement sympa. Malheureusement, celle-là ne peut pas vous faire faire chier. C'est pas le matériel. Ben, on dit qu'application numérique nous donne que E, c'est 62,10 moins 34, multiplié par 3,0,10 puissance 8. Et le lambda qui nous est donné à 589. 10 moins 9. Puisque il faut reconvertir les nanomètres en mètres. Si vous avez 62, 10 moins 4 fois 3, 8 divisé par 9, 10 moins 9. Et je trouve 3,37 moins 19. Sauf qu'ils la veulent en électronvolts. Donc pour l'avoir en électronvolts, on divise 3,37 10 moins 19 par 1,60 10 moins 19 et ça vous donne une énergie en électronvolts. Donc 3,37 divisé par 1,6 2,11 électronvolts. La réponse. Okay. Déterminer le niveau d'énergie de la transition correspondant à l'émission de la radiation jaune. Alors, dans les données, on vous donne 4 niveaux énergétiques. On vous en donne 4. Alors, quand on a ça, en fait, comment il faut faire? On va toujours attaquer. Là, tout à l'heure, on avait fait grâce à un graphique. Du diagramme d'énergie. On peut le faire du point de vue mathématique. C'est plus laborieux, je trouve, mais il y en a dans certains d'entre vous, vous avez préféré faire comme ça. Donc, tant qu'à faire, je vous donne les deux méthodes. Donc, comment on va rédiger ça? Qu'est-ce qui va déterminer le niveau d'énergie? Le niveau d'énergie correspond. Niveau d'énergie. Correspondant alors, nous ce qu'on peut faire du point de vue énergétique, c'est il faut trouver le delta E initial final correspondant. Absolue correspondant à ce qu'on a calculé précédemment. Il faut donc trouver la variation d'énergie de la matière qui correspond à l'énergie de la lumière. Okay. Et donc, pour ça, moi, je n'aime pas trop cette méthode, parce qu'on vous donne 4 niveaux d'énergie, et il va falloir regarder toutes les transitions possibles. Et donc, c'est super long, je trouve. Donc, on va faire 4, 1,
Le KE, c'est 1. Le KE, c'est 2. Le KE, c'est 3. Voilà, on a fait tout ce qui passe à partir du niveau 4. Après, il faut faire un delta E, 3, 2. Après, le delta E, 3, 1. Et enfin, il ne nous reste plus que delta E, 2, 1. Vous voyez? C'est long. OK. En valeur absolue, à chaque fois. Et vous dites, là, ça va faire E, final moins initial, E2 moins 4, E3 moins 4, E2 moins 3, E1 moins 3, et E1 moins E2. Et on calcule. Donc on a moins 5, 14. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plus 5, 14, ça fait pour le 4, plus 5, 14, plus 5, 14. Ensuite, le E3, il vaut combien? Moins 3, 0, 3. Donc plus 3, 0, 3. Ça se connaît. Moins 3. 3 plus 3, 0, 3, et là on est bon. Après on a E2 moins 94, donc ici ça me fait du plus 1, 94, et partout j'ai du 2, j'ai moins 1, 94. Moins 1, 94, et il nous reste E1 moins 1, 38. Moins 1, 38, moins 1, 38. 1,38. Qui nous donne, on calcule, et on prend la calculette, on calcule 5,14 moins 1,38. 3,76 électronvolts. 5,14 moins 1,94. 3,20 électronvolts. Le 0, vous devez le laisser, puisqu'il est significatif. Toutes les précisions sont au centième, donc votre résultat doit être au centième. 5,14 moins 3,03. Ça nous fait du 2,11 électronvolts. 3,03 moins 1,94. 1,09 électronvolts. 3,03 moins 1,38. Et même si on l'a déjà trouvé, il faut toutes les calculer. 1,94, ce sont les consignes. 0,56 électronvolts. Et donc, ça, on avait trouvé combien tout à l'heure? 2,11. Donc ça correspond à cette transition. 2,11. Désolé, c'est tout inversé. Puisque le niveau le plus bas, c'est là, c'est, tous les 4 c'est des 1. Donc là, c'est 4, c'est 1. Là, c'est 1. 1. Là, c'est 4. Là, c'est 4. Ok. Et après, les 2 et les 3 sont des inverses. Donc ça, c'est 3. 2. 3. 2. 2. 3. Pardon. Je me suis trompé sur mes trucs. Et là, pareil, ça fait 3, 1.
raconter tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, c'est ça. Je me suis trompé dans mon ordre. Ouais, j'ai fait une bêtise. Bon, on remet dans l'ordre de toute façon. Donc, ça correspond à la transition de 1. Voilà, excusez-moi. Ok, donc une énergie de transition. Quelle différence observe-t-on si on compare le spectre théorique simplifié du sodium et le spectre expérimental? Alors, je reviens là-dessus, sur ce spectre, donc sodium. Donc, ça, c'est le spectre expérimental, qui est en le B en fait. Et le spectre théorique, le A. Alors, c'est ça, c'était simplement, il fallait juste remettre les bons noms ensemble. Et là, j'ai un peu bugué. Mais en reprenant tranquillement, mais là, je passe trop le temps, c'est juste mettre à pied tes modèles. Le moins 5,14, c'est ton E1, d'accord? Ton moins 3,03, ton E2, ton moins 1,94, c'est ton E3, et ton moins 1,51, c'est ton E4. D'accord? Plus la valeur est négative, plus ton N est petit. Donc, pourquoi est-ce que dans le spectre expérimental, on n'a qu'une raie, alors que dans le spectre théorique, il devrait y en avoir deux? C'est ça, en fait, la question. Là, il y a un petit truc, un petit texte à rédiger. Tout bêtement, qu'est-ce qu'on pourrait. Le modèle théorique simplifié et expérimental peut s'expliquer par le fait que le modèle théorique qui va être utilisé, il est insuffisant. Et qu'on doit l'améliorer pour expliquer l'apparition de deux raies au lieu d'une seule. D'accord? Donc. Explication des différences. Différence entre expérience et théorie. Donc la théorie prévoit une seule raie. L'expérience nous dit qu'on a deux raies. Bah, tout bêtement, ça veut simplement s'expliquer que le modèle théorique qu'on utilise actuellement, théorique utilisée, est insuffisant. C'est exactement en fait comme ça que ça s'est développé. Hein. On avait développé le modèle de la théorie quantique sur des bases avec ses niveaux énergétiques. Et en fait, bah, on s'est aperçu que il y avait certains spectres qu'on n'arrivait pas à calculer. Le doublé du sodium, par exemple. Donc, comme le modèle théorique est utilisé, qu'on utilise est insuffisant, il faudrait l'améliorer. Plus tard et plus tard. D'où le fait l'améliorer. D'avoir des théories seulement dans les labos de physique. Spectre théorique A, spectre expérimental B. Non, pardon. Expérimental, c'est le A, oui, et théorique, expérimental, c'est le A, mais ce que tu as dit, quoi. Et spectre théorique, c'est le B. Ok? Donc, ça, c'est l'expérience, on observe deux raies, le théorique, on observe qu'une seule raie. Et donc, c'est bien qu'il y a un problème dans notre modèle théorique. Ok pour Kenzo. Donc j'ai juste un petit peu emmêlé les pinceaux avec les E1, E2, E3, E4. Je suis désolé. Alors, 23, 26, 29. On fera pas tout, hein. Lequel est plus intéressant? Alors justement, on va plutôt faire le 23. Explique le fonctionnement laser et on va revoir justement ce qui est lié avec la configuration électronique. Donc il faut que je le retrouve, que je fasse encore une fois une impression de prix. Alors,
contrôle N. Ah. Et j'aurai. HVM et ensuite. Allez, parfait. Voilà, c'est ce diagramme. Donc ça, c'est l'exercice 23, page 374. On terminera la seconde chose. Alors, c'est le 23 page 374. Depuis son invention en 1960, le laser à gaz hélium-néon est utilisé dans de nombreux domaines du bricolage au disque optique dans une ampoule contenant un mélange de gaz, donc de l'hélium et du néon. On excite les atomes d'hélium à l'aide d'une décharge électrique. Donc, ce que vous avez ici, là, vous avez des atomes d'hélium qui sont excités grâce à une décharge électrique qui monte sur un certain niveau. Et ils transmettent ensuite leur énergie à des atomes de néon par des collisions. Puisqu'un gaz, en fait, ce sont des particules qui sont agitées entre elles, et il y a des collisions qui se font. Donc, il va y avoir transfert de ces excitations par ces collisions. Et il y a des atomes d'hélium qui vont collisionner des atomes de néon. Et ces derniers, donc l'excitation, la collision va les faire augmenter du niveau. Et après, en général, donc, ils arrivent sur le niveau 5S ou 4S. Et après, ils vont diminuer sur différents types de niveaux. Soit le niveau 4P, soit le niveau 3P. Et ensuite, ça, ce sont des émissions qui sont dites laser. Donc on a bien un rayonnement de photons qui peut se faire sur ces trois longueurs d'onde. Et vous voyez qu'il y a le 633 nanomètres qui caractérise la longueur d'onde rouge du laser. En physique, quand on fabrique un laser, on peut favoriser la désexcitation que l'on veut privilégier, donc le 633 nanomètres. Ça, c'est ce qu'on verra en terminale spécialité, où il y a tout un cours sur le fonctionnement des lasers, qui va donc utiliser ce type de schéma. Et enfin, il y a après des cascades rapides de désexcitation. Ça, ce sont des désexcitations qui sont dites non radiatives. Un autre type de désexcitation, mais qui n'est pas de photon, pour revenir à son état initial. D'accord? Voilà en fait le fonctionnement d'un laser tout bête. On donne une impulsion électrique en général, et après ça désexcite sur différents niveaux énergétiques qui sont les différents niveaux électroniques qui peuvent constituer l'atome. Donc, calculer la longueur d'onde. Quelle longueur d'onde est susceptible d'être émise? Ok. Je n'aime pas trop la question. Elle est mal posée, je trouve. Ouais. Je sais. Alors, longueur d'onde au singulier et longueur d'onde. En fait, il n'y en a qu'une. C'est qui, j'ai pas vu. Tableau. J'ai arrivé à tableau. Ouais. Par contre. Et la focale qui change à chaque fois. Là, on va y arriver. Ça fait un truc. Ah, il fait un truc.
déteste ce matériel. Alors, longueur d'onde émise. Ce qu'on peut dire, c'est que d'après le document, il y a trois longueurs d'onde laser possibles. D'onde laser possible. D'accord? Qui sont 3,39 micromètres. Lambda égale 3,39 micromètres. Lambda égale 633 nanomètres. Ou lambda égale 1,150 micromètres. Par contre, il n'y en a qu'une qui est un laser monochromatique. Pas tout à fait vrai, mais pour le moment, on va vous dire que le laser est monochromatique. Quelle est la longueur d'onde qui va être émise parmi ces trois? Et pourquoi? Oui, alors, d'accord, 133 mètres, pourquoi? Exactement. D'accord, on voit bien sur le schéma que l'émission d'un laser rayonnant, ça fait un laser rouge. D'accord, donc c'est visible. Or, le laser est visible. Donc, alors ils l'appellent comment? Ils veulent qu'on l'appelle lambda R. Parce que c'est rouge. Lambda R égale 633 nanomètres. Ok, pour ces questions. Question 2. À savoir expliquer les symboles alphanumériques en S2 de P6, etc. Donner la configuration électronique de l'atome d'hélium et d'hélium. Donc, deux symboles. Alors, à quoi correspondent ces symboles? Les symboles. Permettent de décrire la configuration électronique, de décrire la configuration électronique de l'atome considéré. D'accord? Alors, c'est quoi la configuration électronique? C'est la répartition de ces électrons, c'est-à-dire la répartition de ces électrons suivant les niveaux d'énergie. Ce qu'on a fait, les couches et les sous-couches, suivant les niveaux d'énergie. Donc les couches et les sous-couches qu'on écrivait avant, ce sont les niveaux d'énergie de notre atome. D'accord? Donc on a 1 S2, ça signifie qu'il y a 2 électrons dans la sous-couche S de l'atome d'hélium, de P6, 6 électrons à la sous-couche de P du néon. D'accord? Alors, comment on va faire pour avoir leur règle de remplissage? Pour l'hélium, HE, son numéro atomique, c'est 2. Et pour le néon, son numéro atomique, c'est 10. Et on suit les règles de Tchaïkovski. D'accord? On avait 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3B, 7S, 7P, 7B. Et on les regroupait comme ça. Donc, facile. Hélium, 1S, 2. Pour le néon, 1S, 2. Ensuite, on passe à 2S. 2S2 en S4. Après 2S, on passe à la troisième flèche, 2P. Là, on peut en mettre 6. Voilà les configurations électroniques de ces deux éléments. Donc là, c'est un petit rappel de ce qu'on avait vu avant en chimie. Et là, vous commencez à voir en fait
qu'il existe un lien entre la physique et la chimie. Allez, deux dernières questions. Expliquez pourquoi ce processus n'engendre qu'un nombre limité de radiations. Alors, c'est un test. Alors là, on introduit un peu le problème de terminal. Nombre limité de radiations. En fait, ça vient le processus d'émission laser par transfert d'énergie entre deux atomes, on l'obtient suite à une décharge électrique, déjà. Cette décharge électrique, c'est ce qu'on appelle en optique des lasers le pompage optique, c'est-à-dire on va élever l'énergie de certains atomes sur des niveaux excités. Et pourquoi ça va utiliser simplement un certain nombre un nombre limité de radiation, tout bêtement parce que les échanges énergétiques sont quantifiés par les niveaux atomiques. Tout bêtement. Les atomes d'hélium sont excités par des électrons qui possèdent une énergie égale à la transition 2P-S de l'atome de néon. D'accord ? C'est ce que je vais écrire. Donc, comment on résume ça ? L'émission laser. Par transfert d'énergie, entre deux atomes, suite à une décharge électrique. Qu'on appelle le pompage optique. Engendre un nombre limité de transition. C'est ça que je voulais de radiation là. De radiation. Car les échanges énergétiques sont quantifiés. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que les atomes d'hélium sont excités par des électrons qui possèdent une énergie qui est égale à delta E. Et qui correspond à la transition de P5S de l'atome d'hélium. Et enfin, 4. Quelle relation. Ah non, il y a encore plein de questions en fait, pardon, je pas. On n'aura pas le temps de tout finir, je pense. On n'aura pas le temps de tout finir. C'est pas grave. C'est surtout le début en fait que je voulais faire quand ça arrive. Et je vous ferai une correction à la main. D'accord. Donc, quelle relation relie la longueur d'onde lambda R et sa période A. Alors ça fait bien lambda R et PR. Alors plusieurs méthodes, moi c'est vrai que je vous ai parlé de fréquence. On a vu que lambda R c'était C sur mu R, si vous voulez, ici. Et la période, par rapport à la fréquence, c'est quoi? Alors, comment on calcule la période à partir de la fréquence? Moi, qui va répondre? Voilà, merci Roctal. L'inverse de la fréquence. Et donc, comme là on a dit c'est sur nous, c'est pareil que c'est une départ. Parce que la fréquence, c'est l'inverse. La période, c'est l'inverse de la fréquence.
Donner. Ah oui, 4-8, ça va leur mieux. Nous, on veut quoi? Et ça t'a calculé la valeur numérique de quoi? Ben, de la période du coup, ma lambda R. PR, ça va être égal à lambda R sur C. Donc PR. Que valait lambda R? On avait dit 633. Nanomètre, il faut converser en mètre. Divisé par 3,00106. On va avoir une période de 633,9 divisé par 3,10 et ça nous fait 2,11 moins 15 secondes. Et ça correspond à quoi? 10 puissance moins 15, c'est quelle unité? 10 puissance moins 15 secondes. Alors qu'on a dit 10 puissance moins 15. Donc 10 moins 9, c'est nano. Bravo Quentin, femto. Et alors c'est quoi que 10 moins 9? Donc c'est 2,11 femto secondes. Là, il est temps, on va faire, c'est juste. Donner l'expression de la fréquence, ben, la fréquence va être l'inverse de la période, justement. Un calcul de μr, simplement que μr, c'est 1 sur pr, donc c'est 1 sur 2,11, 10 moins 15. Donc vous avez μr, qui est égal à l'inverse de ce qu'on vient de calculer. 1 sur réponse, ça nous fait du 4,74 puissance 14 R. Pour la 6, ils veulent l'énergie, bah, soit la même chose. Hein. 6. Comment ils appellent l'énergie? ER. Calcul ER. ER. C'est égal à la constante de Planck fois mu r. Et on calcule. Donc ça nous fait ER 62 10 moins 34 multiplié par ce qu'on a trouvé 474 10 puissance 14. Multiplié par 62 10 moins 34 et j'ai eu 3,14 10 moins 19 joules et à tous les coups ils le veulent en électronvolts. C'est ça. En électronvolts, ça fait, on divise par 1,6 10 moins 19 et on trouve 1,93 électrons. Et on va s'arrêter là, d'accord. Le reste, c'est toujours des niveaux d'énergie, etc. D'accord. Et je pense que ça à la main et donc. Ok. Donc, sur ce, on ne se revoit plus avant 2 semaines. D'accord. Pour ceux qui veulent, je vous enverrai encore un petit quiz là-dessus. Je vais essayer de faire ça pendant les vacances. Et de façon à ce que vous regardez l'interaction lumière-matière. OK? Ah, il est dur, hein, celui-là. Ouais, tu m'étonnes. L'expérience de Franck et R. On regardera là, en fait. Max, prends du temps, je regarderai là, en fait. Oui, le dernier va se faire. Mieux. Voilà, bah écoutez, passez de bonnes vacances confinées. Et bon, j'arrête l'enregistrement. Je mets le cours des